Alors peut-être le moment de la chute d'Adrien Van Beveren au moment où il est suivi par notre hélicoptère. Vous voyez que la piste est piégeuse, hein. Il y a beaucoup de sable différent. Il est en bas à gauche. Et hop Voilà. là, aïe, aïe, il passe par-dessus. Heureusement, la moto ne semble pas lui retomber dessus. L'embardé terrible de la moto. Et on comprend mieux pourquoi Adrien Van Beveren, eh bien, voilà, est au sol avec de grandes difficultés à se redresser, à se remettre debout et à ainsi essayer de rassurer tout le monde. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir notre journaliste Jean-François Carcal qui doit être à ses côtés maintenant. Les communications sont terriblement difficiles.